Le Devil Deal est comment dire, assuré. Salut YouTube. On joue Magdalene en Creed mode. Lâche un pouce. Par contre, si tu ne mets pas de pouce bleu tout de suite, j'aimerais que tu arrêtes de regarder cette vidéo. Alors, oh, un cœur Mozi. Ah mais oui, non mais il y a plein de choses bien là fait. Give me the pognon, non, give me the ceremonial robe, gratos. Allons voir notre objet. Ça a l'air d'être bien parti, je la sens bien. Je la sens bien cette game. Alors ça, en plus de donner moult cœur, je pense que ça me soigne. Donc on va vraiment abuse tout de suite ce petit métier. Ah mais non, il me lâche tout de suite cette merde en barquette. Motherfucker. Motherfucker. Moi j'aurais voulu qu'il me lâche des trucs. Abrucon. Meat Boy c'est puissant. À méditer donc. On va tout de suite faire ça aussi. Voilà, j'ai lâché le pognon dans le shop. C'est de la merde en barquette, merci. Ok. Je vais me faire pourrir par Twitter, par des gens pas lucides qui vont pas me croire. Quoi. Bah oui, mais bien sûr. Ah mais j'ai 5 pièces, prenons la clef. Les mods Missap, c'est puissant. C'est plutôt puissant, même, comme Space Item. Surtout que là, avec le Green Mod, ça va vite. Tous les deux tours, pouvoir utiliser les mods Missap. Je vais prendre ça. Ça me donne juste des cœurs. Y'a absolument pas d'urgence à prendre ça. Si je ne m'abuse. Bon allez, allons-y. La perruque c'est sympa, même si l'apparition des araignées est limitée à 5, je crois. Mom's Wig, ça reste bien, c'est un objet de maman en plus. Et puis le swag. Le swag est absolu. Superbe. Alright. GG easy. Qu'est-ce qu'on a? Moult araignée, is ok. 10 secondes. 10 secondes pour les tuer. Et voilà, et l'apparition de mes araignées bleues. Sauf que tu vas l'oublier avant de quitter l'étage. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, le super pansement. Alors si j'oublie le super pansement, je me la coupe et je me la bouffe. Et j'en fais un top 10. Très bien. Alors. Je me demande si je prendrais pas le... Je pense que c'est plutôt pas mal de prendre le... Le cube de viande. Connais-tu Absol Videos? Non. Je me demande si prendre le cube c'est pas mal. Moi je dirais que oui. Bon, ouais, de toute façon, c'est le début. C'est pas encore critique, ça va le faire. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, on a réussi à mettre 80 pièces dans la machine de grid avec Isaac. Ou Judas, je crois. Mais c'était quand même un peu décevant parce qu'on avait une carte 2 de carreau qui nous permettait de doubler notre argent. Donc, potentiellement, on pouvait mettre 150 pièces. Mais la machine a bloqué alors qu'on avait soi-disant 15% de chance de la bloquer au bout de 80 pièces. Enfin au bout de 60. Mais a priori de toute façon c'est scripté. C'est scripté au moment où on rentre dans la pièce.
C'est un petit peu comme ces runs si vous voulez. C'est scripté. Là je suis en train de jouer mais je sais déjà que je vais gagner. Et je sais exactement dans quelles conditions. De toute façon c'est comme la télé, c'est comme tout. Voilà. Ce qui est important c'est voilà, on vous vend du caca mais c'est bien ficelé. Il y a moyen d'en faire un tweet, une histoire Facebook, d'en discuter autour d'un repas. C'est parfait, c'est validé. Peu importe la véracité, is ok. C'est un tas, voilà, c'est exactement ça. Je vous propose en fait des tasses d'Afterburst tous les soirs. On est dans un monde moderne, la réalité n'intéresse plus personne, c'est vrai aussi. Alors. Très bien, alors. Oh, c'est beau, mais c'est long. Stop le coca sucré. Non, mais j'arrête le coca sucré. J'arrête le coca sucré juste après. Il faut que j'aille dormir en fait, depuis un moment. J'ai des obligations. Mais oui, bah à charge, justement. Les probas. 1% à chaque pièce. Oui, non, mais je sais. Je sais bien. Je connais. Justement. Je connais ces embrouilles de blanc. Mais bon, voilà. Enfin, j'ai un de mes potes qui était statisticien. Donc, oui, je connais ces embrouilles. Mais tout de même, bordel. Quand t'as 1% de chance à chaque pièce et qu'au bout de la 15ème pièce, quand il y a 1% de chance, ça bloque, t'as quand même eu un peu la poisse. Oh là là, carry item. Carry item. Là, attention, à l'ascensus, ça déconne zéro. Si jamais j'ai le vol et que je garde beaucoup de cœur rouge, l'ascensus, carry item. J'ai presque envie de prendre le HP up, du coup. Moi je dis, je prends un petit HP up. Moi je la joue HP up et c'est une win hallucinante en 3h30. Moi si je dis, voilà, on prend le HP up et on joue une game en 3h30. En plus j'ai le pansement. Mais je sais que j'ai le pansement. Je suis plus habitué à vapoter. Ah putain. Quand tu taffes comme un mongolo, quand tu vapotes, ça ne pardonne pas. Donc oui, le super pansement qui fait 1 HP rouge et 2 HP bleu. Bon, le cube de viande, ça se fait quand même. Hein. Ah, on n'a pas le droit de vapoter sur YouTube, mais on a le droit sur Twitch. Oh, j'en ai marre. Ah oui, je peux reroll. Mais pour reroll, faut que je mette du pognon. Comme ça. Ah, Kendall, c'est pas mal. Putain, mais faites-moi bander! Putain, que du range. Mr. Squeezie et challenge up. Alors, le dommage ou Squeezie? Je prends Squeezie. Mais c'est bien. ASMR vapotage. Oui, bon, en même temps, je veux dire, voilà. La télé vous montre les attentats au gros plan. La télé-réalité vous montre des boobs qui se baladent dans tous les sens. Avec des meufs écervelées qui font n'importe quoi. Et des mecs que tard qui ont des valeurs de chien battu. Enfin bon. C'est pas trop grave. Voilà.
Oh mon dieu! Ah ouais! On peut faire ça. Petite clé en promo. Il y a un rocher marqué. À méditer. Le pansement, je l'ai pris. Oh merde! Et là, évidemment, j'ai envie de dire le beau jeu. Pour la peine, je vapote. J'ai gagné un cœur. J'ai gagné un en chance et j'ai perdu dans toutes les autres stats. Traduction, traduisons-les, c'est de la merde. Il y a encore le cube de viande. Putain, c'est fou. Ça se trouve, j'aurais pu... avoir mon Meat Boy niveau 2. D'accord, c'est chiant. Bon, la sangsue là. Donc pour le délire, hein, ceux qui ne connaissent vraiment pas le jeu, la sangsue, si elle tue un ennemi, elle me soigne d'un demi-cœur rouge. Alors pour l'instant, vu que j'ai des cœurs bleus, c'est useless. Et voilà. En même temps là, vu comment ça commence à être le merdier, vu comment je pense être fatigué et il est vrai affecté par tant de coca. Voilà. Si j'avais pris le cube, il serait sorti du pool. Et pour autant, on peut cumuler les cubes. Oh là là, on a vraiment zéro puissance. Ça te dirait pas la sangsue? Voilà, merci. Au moins d'attaquer. Au moins de me faire croire que tu me sers à quelque chose. Je suis en train de perdre tous mes cœurs bleus et c'est super impressionnant. J'espère que vous appréciez le spectacle. Et on est au moins à la dernière vague, donc il n'y aura plus rien après ça. Voilà, j'ai perdu l'intégralité de mes cœurs bleus. Donc là, j'ai envie de dire, j'ai plus envie de me défendre. Là, je vais essayer ma sangsue faire le taf. Regardez, je me fais toucher volontairement. Et regardez, voilà, la sangsue vient de me soigner. Voilà, je me fais bourrer, mais c'est pas grave. Elle est où la sangsue? Elle est où la caméra? Vas-y, mange chat. Allez! Allez, champion! Allez, vas-y! C'est comme un combat de chien. En plus chiant. Et en virtuel. Mais en plus humain. Et voilà, et la sangsue m'a soigné. C'était important pour moi de perdre tous ces cœurs bleus pour vous montrer ça. Très bien. C'est pas fou. Bon allez, moi je tente le small rock. Ça c'est le beau jeu. C'est ce qu'on appelle le beau jeu dans le milieu. D'autant plus que c'est remboursé. Ah oui, mais j'ai le Lucky Rock en plus. Oh là là, mais c'était évident du cul. Je vais prendre le meatball. Cube of meat. Ah, et je prends Hive Mind. Pourquoi? Parce que j'ai la perruque de maman, donc mes araignées deviennent énormes et font plus mal. Bon, il va falloir commencer à exploiter ce cube de viande. Je dois bien vous l'abourrer, donc on va y aller. Hop, cube de viande. Oh, sérieux. Je m'en fous. J'ai pas le temps, moi. Pas le temps, faut y aller, comme disait Foufla Rouge. Oui, en fait, donc, du coup, s'il y a beaucoup de rochers, par exemple, dans la salle de shop ou ailleurs, c'est rentable d'acheter une bombe. Je dois bien vous labourer. J'ai dit ça? Je m'excuse auprès du tube. Virus, ça peut donner les cœurs noirs quand ça tue. Et ben, on vient de le voir, du coup. Donc là, par exemple, 5. J'achète. Et là, je mets ça là, pour avoir... Atta. Oh merde, c'est un des nouveaux objets nuls. C'est quoi ça? C'est un truc de Lilith, là, où je sais pas qui. Little Chest.
Ah non, c'est un petit truc qui donne des trucs. I'm okay with that. C'est trop yimbe, c'est trop yimbe. Bon là, là j'ai perdu une pièce, mais c'est pas grave. Est-ce que je fais... Ouais. Honnêtement, je m'ennuie, donc je vais le faire. C'est pour toi, YouTube. Black Market. Oh, mais je fais n'importe. De toute façon, je vous le dis tout de suite, on va jouer... Oh non, je sais pas ce qu'on va jouer, parce que si j'ai un très bon Devil Deal, je vais le prendre, donc on joue pas forcément cœur rouge. C'est juste que là, je commence à être éreinté. Mais regardez, mon virus drop des cœurs noirs. Alors, si mon virus drop des cœurs noirs, regardez, je prends la décision très courageuse de tuer tout le monde au virus. Et regardez ce qui se passe. Regardez bien. Sous les ébahis, des cœurs noirs sont tombés. Ah mais c'est génial. Is ok. Trois cœurs noirs. Putain mais c'est moins cher que gratuit. Oh non. Quel ennui, mais quel ennui. Allez meurs. Non ça m'a ennuyé, voilà meurs. Un petit cancer. Le T-Rate doublé. Alors du coup, Campus Rage, c'est rigolo. Medium Heart avec la larve, et surtout si là, visiblement, on joue que cœur rouge, c'est pas mal aussi. Qu'en penses-tu sur YouTube? Lâche un commentaire sur YouTube pour me dire ce que t'en penses. J'attends d'avoir tes nouvelles. Ouais, mais le Lucky Rock, c'est drôle aussi. Le rocher pour les sous. Non, mais le rocher pour les sous, quand... D'accord, mais quand même, Krampus... le cancer. Le cancer, c'est la vie du cul. Bombe le chasse à camerde. Moi, je prendrais le Lump of Coal. Lucky Rock, c'est craqué en grid. Oui, c'est pas faux. Mais est-ce que je prends Krampus? C'est ça la question. Mais oui, les rochers au final. Ah, si, il y en aura en bas éventuellement. Il faut acheter des bombes. Mais est-ce que les cailloux peuvent lâcher des nickels ou des dimes? Ou ne lâchent que des pièces à 1? Allez, on va jouer à l'originalité. On reste faible. Mais on joue la passion. I play for the passion. Ça lâche de tout. Donc là, genre, je bombe ces 4 rochers qui n'intéressent personne. Et je peux avoir un dime. Je pense pas. Hein. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'encore une fois, vous m'avez vendu de la grosse bite. Mais là, il peut y avoir moult rochers. Ce n'est pas le cas. Il y a peu de rochers. Mais non, mais j'ai pas laissé mon... Enfin, là, fallait... Typiquement, des mouches ridicules, fallait laisser la sangsue tout tuer. Et voilà, et là, y a pas de rocher. Et là, typiquement, je vous déteste. Un D20. Alors, le D20 peut être drôle si je laisse toutes les pièces dans la salle principale. Le D20 peut être drôle. Il y a peut-être moyen de moyenner. Something funny. On s'emmerde. On s'emmerde. Balls of steel.
Merde, il manque une pièce, Saras Bulba. Oui, des vins avec les batteries. Exact. Il faudrait que j'arrête cette vague tout de suite, à la limite. Allez hop, on joue RP. J'arrête la vague. J'arrête la vague et je vais chercher le dévin. Paf! Maintenant, je tabasse un maximum de trucs. Bien évidemment. Sans prendre les drops. Ah, en plus, ils ont pété des trucs, donc il y a des pièces partout. C'est génial. Petit cube de viande. C'est beau, mais c'est long. On est faible, hein. On est terriblement faible. Donc espérons que le dévin va nous permettre d'arnaquer moult choses. Je me fais toucher, mais je préfère ça que de prendre des pièces. Ah oui, mais c'est chiant. C'est terriblement chiant, madame. Madame la marquise. Ah oui, mais c'est vrai, le virus. Le virus, c'est fun aussi. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Voilà, le cœur noir est lâché. C'est trop worse. Donc là, je dévins direct. Ok, c'est là que tout commence. Je prends l'argent. A card against humanity, ça fait moult caca. Oh, il y a un dime, faut prendre le dime. La question aussi, c'est faut-il ouvrir les coffres fermés à clé? Non, boss, sac, boss. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je peux. Ça aurait pu reroll une batterie. Et il y a une batterie au shop. Les cacas, c'est goldé, hein, les gens. Attendez, voyons voir. Case Lover, c'est pas mal parce que ça fait deux drops rerollables. The Tower, ça marche aussi. Non mais les caca, ça marche pas avec le rock. Ça marche avec le petrified poop, non? Ouvre les coffres que si ton dévin est chargé, ça fait un pick-up de plus à reroll. Oui. Ah oui, on peut reroll le coffre vide. Bah c'est bon, ça fait longtemps, j'avais oublié, désolé. Calmez-vous du cul. Oui, non, voilà, ça marche avec Petrified Poop. Par contre, si on trouve le Petrified Poop, c'est pas mal. Vous voyez que là, avec un luck, pour l'instant, on drop... J'ai fait apparaître un cœur. Ah! Allez, on a deux rerolls. Ah, mais non, mais ça devait durer pas longtemps. Oh là là... Oui, voilà, j'avais prévu d'utiliser Tower derrière pour reroll pendant que les bombes sont présentes à l'écran. Mais non, mais je sais. C'est bon, calmez-vous. Du cul. Donc on est parti dans les vieilles ambiances. Les ambiances à l'ancienne. On fait de la merde en barquette. Il y a quelques trucs qui tombent, hein, néanmoins. Ah oui.
Là, je fais bien attention à pas réappuyer sur le switch. Ah, Tower ne marche pas avec des vins. Ah, ça marche plus, ça? Ça marche plus de Real Tower, ok. Ouais, les trucs qui tombent, c'est la bonne nouvelle. Fais le boss, t'auras plus de pièces. Ah non, mais c'est chiant. Oui, mais faut que je fasse le boss en évitant tout ce merde. Ah, mais putain, mais quel con! Vite! Ah, on discute, je fais pas gaffe. Alors maintenant qu'on a le prix de Fight Poop, c'est ouais, voilà. Ça drop beaucoup plus souvent. Oh, si je pouvais avoir un quart de Gains Humanity à nouveau. Non, High Priest, je m'en fous, donc je vais même le rejeter aussi. Par contre, j'ai peut-être gardé le Lucky Rock dans la salle là. Et donc Petrified Poop, je le garde. Le reste, j'en ai rien à foutre. Et je dévins. Oui. La clé, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et c'est bon. Oui, ça fait 3 plombes que je l'avais. Donc là, à part s'il y a une batterie qui a pop, ce n'est pas le cas. Ah merde, j'ai appuyé. Mais comment je sais, j'ai appuyé? Eh, par contre, je suis deg. Je pensais qu'il allait avoir plein de clés qui allaient rip-hop. C'est absolument pas le cas. Du coup, j'aurais dû prendre les clés avant. Ok. Donc, j'ouvre pas encore les coffres. Et je vais aller acheter ma batterie comme un vieux clodo. Et prendre ma clé. Et peut-être acheter une autre clé, du coup. Sérieux. Ouais, pour la peine, voilà. Ouais, pour la peine, j'en ai à foutre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre la clé là. Et c'est la seule clé qu'il y a, putain, mais quel enfer. Miskin. Mais quoi? Mais non mais merde. Oh, j'accepte de me faire bourrer. Allez allez allez, on bourre. Eh, il m'enlève un cœur entier ce saloperie. Cœur. Oh l'eau. Miskina. Oh, relou. Ah oui, et du coup, du coup, je me fais baiser. Miskina. Ok, c'est trop nul. Comment c'est nul? Ah, tout de même, bon, y voir s'il y avait des trucs cool. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, quoique. Ah bah non, ça drop qu'un truc. Powers. Non, la carte caca, c'est une carte à jouer.
Genre ça. Ah, destruction, oui. Mais faut que je prenne le Kirok. Alors le flat pénis, merde, le flat, ah non c'est pas le flat worm, c'est le flat pénis. Enfin c'est pas le flat pénis, c'est le flat worm, donc on s'en fout. Et j'ai pas pris ma batterie comme un mongolo, donc j'ai pas reroll le chest. Bah, c'est pas si fou hein. Ça m'ennuie, et vous? Non, j'étais lucide au début mais ensuite c'était de la merde. Mais j'ai pas de pognon. I have no pognon. Il y a pas une vraie pièce. Il y a que des pièces de merde. Bon, pour la peine. Ok. Il y a que les pièces de merde. Que les pièces de clodo. Ah, y'avait un nickel? Comment ça y'a un nickel? Bah non. Ah, intéressant. Donc. Faut que j'aille choper une batterie, mais évidemment y'a pas le pognon. Donc c'est chiant, parce que j'ai pas envie de choper toutes les... Two of diamonds pour doubler le pognon. Ah, two of diamonds fois deux. Ok. Two of diamonds. Il est ok. Est-ce qu'on piffe les pilules du coup? Ah, faut les garder les diamonds, mais on va en trouver d'autres. On va en trouver plein des diamonds. Là, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Oui, je fais du caca en barquette, mais en même temps, voilà, je récupère une touffe diamonds, voilà. Pas de quoi en faire un plat. Eh hey, mais j'ai tout ouvert alors que j'ai pas utilisé ma batterie, donc si je fais de la merde en barquette. Mais ça c'est pour vous. C'est pour le contenu. Ah mais mine de rien j'ai de la chance avec les lovers là qui balancent plein de drops encore. C'est pour le contenu que j'ai fait ça. Souvenez-vous que c'était pour le contenu. Si jamais vous avez un doute un jour, souvenez-vous de ça. It's ok, it's ok. Ah bah voilà, ça va régler tous les problèmes déjà. Le diamond prend. Ok. Ne vous inquiétez pas. Faudra que je pisse toutes les pilules en fait. Balls of steel. Prends le gueule penny et fais-toi mal. Ah oui. Oui ouais ça va être plus... Ah mais ouais mais trop tard. Mongolo. Oui bah oui le gueule penny j'aurais pu me faire masse pognon avec. Ah quel innocent. Bon c'est pas trop grave.
On va commencer à se faire du pognon. Mais putain, mais je suis sorti. Non, mais on discute et je fais de la merde en barquette. Forcé de le constater. Petit cricket sad. Ok, moult, 4 objets, c'est bien. Ouais, le gueule penny, ça aurait été bien. Ça, c'est de la chiasse. Et d'un autre côté, il va rester là forever. Et je fais encore la connerie de tout ouvrir sans prendre la batterie. Oh non, mais je suis tellement rebou. Tellement rebou. Toujours la banane. Toujours rebou. Et que celui qui n'a jamais bu me jette la dernière bière. Est-ce qu'on a un nickel ou un dime? La réponse est non. Oh, ça lâche moult truc. C'est bien. Donc là, c'est bon. J'ai tout. Je vais pouvoir reroll. Là. Ok. Ah, il manque du pognon. I need pognons. On va rendre tout ça rentable, je vous le jure. Ça change quoi? En fait, si le coffre vide est considéré comme un objet qui peut être reroll. C'est ça en fait, l'intérêt de laisser les coffres dans la salle et de reroll derrière. J'ai déjà eu ça. Connerie! Faut le prendre pour en être débarrassé. Ou est-ce que je peux cumuler, comme dans le challenge nul, moult Bob's Brain? De toute façon, que je le prenne ou pas, ça change rien. Oh, quel enfer du cul! Mais ça reroll jamais de batterie le D20, ça me semble extrêmement bizarre tout de même. Ok. Oh mon dieu. Ah bah oui. Obligatoire valable. Ah putain, il va falloir récupérer ça derrière. Attendez 2 secondes. J'ai rien ouvert encore. Okay. Mon two of diamonds. Non, quel con! Quel con du cul! Mais c'est quoi de bouton? Oh là là, Rebooman! Est-ce que j'ai 5 j'ai 5 pièces là? Ah, c'est pas clair. Mogolo! C'est bon. Putain, j'ai cru qu'il y avait plus de batterie. J'ai failli me faire caca dessus. Ça va être pénible, hein. Putain, mais oui, j'avais dit que j'allais me coucher tôt et là ça va durer 8 ans et demi du cul. Voilà pourquoi c'était une mauvaise idée. Ah merde, fallait l'utiliser dans l'autre salle parce que ça marche pas s'il y a déjà eu des caca. Enfin si, on a quelques-uns qui ont ripop mais à peine. Bouh. Bah, je ferme pour rien là, oui. Ah, je suis assez déçu du cul. Je dois bien vous avouer être assez déçu du cul, en plus je fais la même connerie. Très déçu du cul. Non, bah, de toute façon, on va arrêter. Non, pas le super magnet. Non, mais non, mais non, mais rendez-moi mon caca. C'est vrai que j'ai vu le cricket set. Maintenant, je pourrais y aller, hein. Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière. Et le Two of Diamonds, il est là. Bon,
je prends les grosses pièces. Le crack die, c'est quoi? You feel cursed, kind. Ça fait quoi le crack dice? Dites-moi, hein, parce que c'est objet d'afterbirth, ça. Bah, ça vaudrait prendre. Ça vaut le coup de prendre les gros sous, les nickels ou les dimes. Donne les clés au marchand. Ah, y'a un marchand des clés nulles? Je conseille d'aller bomber les marchands et de balancer ton stock de bombes sur la machine à reroll pour choper une blank card. Ah oui! Oui, oui, c'est vrai. Oh non, moi je suis pas dedans, moi. Ouais, mais elle va péter en deux frames. Est-ce qu'on aura une blank card? C'est ça le problème. On aura du dommage up. Est-ce qu'on a envie de prendre ça, le deck of cards nul, hein, pour avoir que des cartes et plus de pilules? Peut-être. Et la blank card, elle est là. Chaos card. Chaos card pour grid. Le Two of Diamonds, je le garde. Et que, voilà, que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière. Ah oui, il y a le sablier aussi. Si je trouve le sablier, c'est le GG de la vie, c'est ça? Cartes. Double chaos card. Fallait prendre la batterie avant. Quoi? Les gars, faut batterie au shop aussi. Donc là, on peut dire que j'arrête le D20, clairement. Ouais, je prends que la thune. Je rebalance une petite sauce gribiche. C'est quoi la rune? Si c'est Jera, c'est cool. Enfin non, perd trop, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Ah! Ah mais du coup, mais c'est génial! Ok, deux secondes. Ah ouais, mais j'ai pas rerollé les coffres, rien à foutre. En fait, je vais laisser ma Chaos Card ici. Je garde Perthro. Je prends Two of Diamonds. Et là, j'alterne entre les deux meilleurs trucs du monde. Donc, D20. Tant pis, j'ai pas pris la batterie, hein. Bon, je vais pas prendre une famille, mais ça se prend. Non. Putain, mais y'en a partout. Okay. Donc. Mais non, je vais pas perdre trop la salle avant de prendre le D6. Ça serait la blank card, ce serait débile. Alors maintenant, il faut juste, sinon ça serait terrible, quoique non, on passerait à l'autre salle. Faudrait avoir la batterie là dans la rotation. Je vais mettre un peu de pognon. Non, je bombe. Ah, il y a la batterie tout court. Donc, L2. Two of diamonds. Batterie. Ça me recharge pas, hein. C'est bien ce que je craignais. Ok. Oh l'enculé. Oh, c'était obligé qu'ils allaient me baiser comme ça.
Est-ce que si... Ensuite, la Chaos Card, c'était pas rien. Hein. Mais non, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je peux perdre trop nature, ça, et oui, garder la Chaos Card, de toute façon. Oui, tout prendre. Donne les clés à le clochard. Oui, je peux prendre les clés que je vais prendre et je vais donner à le clochard. Enfin, je vais prendre la thune. Les clefs. Il y a quoi? La Two of Hearts, on s'en fout. Ouais, c'était que du Two of Hearts, je crois. Enfin, quoi qu'il arrive, ça va le faire, quoi. Oui, c'est ça. Donc perf throw. J'ai touché tout hein, ouais. Donc on a glitter bomb, 10 bombes, 25 pognons. Bah 25 pognons, très bien. Ça fait 54. Attendez, parce que les cartes ont changé. Two of diamonds. J'ai 2 two of diamonds. L'enfer de l'infini et l'au-delà. Ok, ça. Le reste est chiant à mourir. Du cul. Ah, et pas forcément. Parce qu'on va faire ça également. Two of clubs. Lâche le chaos et si tu veux exploiter le shop pour faire 1000 craquer. Bah quoi qu'on s'en fout, donc Two of Diamonds, non, pff, ok, j'utilise, je prends Chaos Card. En fait on s'en fout, alors Glitter, on prend, qu'est-ce qu'on a là? Two of Hearts, ça c'est nul. Two of Hearts c'est nul, The Tower on s'en fout, Death, Hangman, Wheel of Fortune. Ça a très peu d'importance, donc j'ai Two of Diamonds et je reprends la Chaos Card. Je prends les 10 bombes parce qu'on s'emmerde. Et on y va quoi. Fallait garder Perthro, oh, c'est pas trop grave. Curse of the Blind, mais non, quelle bande de trolls. Et pourquoi j'ai ce worm nul? Pourquoi j'ai pris ça? Ah ça c'est bien bien troll hein. Bon pour le coup on cherche une batterie clairement. Le reste on s'en fout. Non mais c'est du foutage de gueule, c'est scripté. Une batterie. S'il y a une batterie je peux enchaîner. C'est du foutage de gueule, c'est scripté. Merci. Ah merde! Oh la baisse absolue! Non mais c'est scripté! J'avais le truc pour avoir deux cartes et il vient de transformer ça en un truc où j'ai deux pilules et du coup je lâche mes fucking cartes alors qu'il me donne encore des cartes. Enculé! Enculé. J'aurais dû attendre l'étage d'après. J'aurais jamais dû piffer ici. Mais oh là là, mais quelle était la probabilité? Oh là là. Et là il me lâche des cartes dont je me branle. Ouais ouais voilà ouais.
Il y a plus de cartes en plus. Et le truc a pété. Vie de merde. Je suis au bout de ma vie. Ah si, Berkano avec Hive Mind, j'aurais pu garder, hein, mine de rien. Putain, je perds ma Chaos Card, quoi. Ah, mais on aurait pu débloquer tellement 800, 2000 objets. Et là, on se fait chier. Et il est 3h du mat. Oh, mais merde, on aurait jamais dû faire cette dernière run. Voilà, ouais, voilà. Pour la peine, je prends de la merde. Voilà. Proptosis, et je t'allais là? Oui. Bon, de toute façon, on va le battre, Grid. Hein. Mais c'est dommage. Je perds même mon Two of Diamonds, donc au maximum, on mettra 100 pièces. Connerie, quoi. C'est quoi cette merde? Ok. Non mais j'aurais jamais dû piffer, d'accord, en Curse of the Blind, mais ça m'emmerdait. Oh. Mais oui, ça, j'aurais attendu après, c'était bon. Oui, il y a des piercing tears de temps en temps, pourquoi pas. Non mais décidez-vous au bout d'un moment parce que ça m'emmerde. Il vient avec les croissants. Eh, j'en ai rien à foutre, j'achète des trucs au pif tellement ça m'a fait chier, voilà, superbe. Voilà. Super. Tiens, voilà, son merde. Ah, Altef 4. Non mais Altef 4 ça marche pas encore, ça me ramène pas au début de l'étage. Oui, je dois me lever tôt, mais ça aurait pris 3 plombs, mais c'est marrant. Prochain étage, chat, conserve tes pièces. Oui, d'accord. Calmez-vous. De toute façon, c'est juste pour éventuellement optimiser les pièces, mais vous avez commencé à se passer. Je vais mettre 60 pièces et ça va se bloquer. Donc bon, que j'en ai 800 000 ou 2 ou 60, ça revient au même. Is ok. Oui, je suis venu une maman avec le couteau dans le fion. Putain, mais ce Rosary vide, par pitié. On le voit pas en plus, rouge sur rouge, c'est chiant. Ah là là, et si j'avais le swallow de Penny, là, je me serais fait plaisir. Pas mal. Ah merde, non, ça aurait pu me donner des cartes, j'aurais pu boire ça. Même si ça donne souvent trinket ou machin, des fois ça donne des cartes. Bon, de toute façon, on est surpuissant, maintenant c'est juste une question d'essayer d'arnaquer le pognon. C'est bon, pas de curse nulle. Cancer, oui, ça se fait. Ouais. Ok. One Mushroom, mon tirail était tellement bon que je suis pas sûr d'avoir besoin. Mais c'est vrai que les Glitter Bombs peuvent me donner des choses et ça c'est pas mal. Lui peut me donner des cartes aussi. Un petit Two of Diamonds. Oh merde.
Ok, transformation nulle. Ah bah je suis rapide du coup. Reroll les cartes, il me faut des cartes donc. Ok. Oh putain, j'aurais dû. Je suis trop con. J'aurais dû. Tryhard Justice ou quoi que. Ah, le crack dice. Des 6 et des 20 donc. Ouais, mais non, ça changerait les cartes. C'est pas forcément ouf. Allez. Ah. C'est la déception. Ça c'est chiant, il y en a partout. Crack Dice, ton item cœur en bas. Ah oui, c'est vrai que j'ai un truc nul, ouais. Pourquoi il y avait deux trucs? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un small rock, c'est ça? Il y a un truc qui a pété, c'était un small rock. Ou je ne sais quoi. Ma vie, c'est de la merde. Ah, c'est un ghost baby. Okay. Quel enfer. Putain. Fatigué, hein. Au final, on va se ruiner, on touchera rien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air bien nul. Au final, je vais arriver à grid et j'aurai zéro de pognon. Faut crack dice les cartes. Oui, on va faire ça. Maintenant qu'on a 40 000, on va faire ça. Enfin, dice shard. Le blank card, il est bien chargé. On va y arriver. Avec la double batterie en plus, je pourrais presque arrêter là, je vais arrêter là d'ailleurs. Hop. Ah merde, je croyais que j'allais avoir la double. Quelle bêtise. Donc on est d'accord, c'est que de la merde. Là, ce foutu pognon au sol. Ah oui, non, mais ça m'emmerde. Et ça me redonne pas des cartes, donc c'est un peu nul. Mais ça m'emmerde, donc c'est pas grave, j'accepte. Pyjama, machin, ok, je reroll. Ah oui, non, mais c'est trop chiant en fait. Non, mais la Chaos Card. Ah, j'ai reroll la Chaos Card, oh. Non mais de toute façon grid, je me fais aucun souci sur le fait que je vais bousiller grid quoi. C'est juste débloquer les objets qui m'intéressaient dans cette configuration. Oh ringworm, quel enfer. Vous savez quoi, je pense que je vais juste mettre mes 99 pièces, ça m'a emmerdé. Honnêtement, il n'y aurait pas eu ce Curse of the Blind avant nul. Ça serait réglé en 2 secondes. Et là c'est de la merde. Non mais je vous annonce que j'en ai officiellement marre. Alors.
ice shard. J'ai quoi de Guppy? Guppy's head. C'est tout. Ok. J'espère une batterie. J'ai tout pété, il y aura ni batterie ni carte. Et là ça va être, voilà, ça va être ça. Oh. Putain, j'ai tellement cru. Ça va être rigolo. Oui. Ah, c'est trop pas worth it. Ah non, mais ça tombe pas, ça tombera jamais. C'est trop de la merde. C'est trop de la merde et ça coûte trop cher. C'est trop de la chiasse. Allez, on s'en va. Voilà, je l'utilise même tellement j'en ai marre. Suicide King. Ça, c'est les vrais beaux. Strength, Agalas, Destruction. On s'emmerde. Bon, allez, si on allait tuer Grid. Oui, pas dans le shop, mais je m'en fous. Et si on allait tuer Grid? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, ça me plaît bien. Si on allait tuer Grid, et j'aime coucher. Et ben moi ça me vient, ça me semble pas mal. Donc allons-y. Un petit Suicide King utilisé par erreur et c'est rigolo. Avec j'hésitais à faire Suicide King avec Guppy Scholar. Pour le gros lol. Pour vous les gamers avec un arrobase à la place du A. J'hésitais à faire Suicide King. À la foutre. Ok. Allez. Ah et là la batterie elle tombe bien sûr. Parce que je ne merde. Ah non, parce que petit familier. Oui, bon bah voilà, je vais juste farmer mon pognon tranquillou. La rupture tranquillou. Jusqu'à ce que ça tombe. Petit Suicide King. Putain, mais 3h15 du mat, mais sérieusement, mais quel connard. Je vais partir en soirée, oh là là, demain, oh là là, mais ça va être l'infini, et oh, et ça, oh, et le matin, et oh, merde, tellement de trucs à faire, j'ai rien, j'ai fait le minimum garanti cette semaine, j'ai tellement de trucs à faire pour mon rep, c'est l'enfer, allez, putain, mais on n'a pas de pognon, ah bah génial, c'était vraiment nul de farmer des trucs nuls, 34 de pognon, ça écoute se faire chier. Moi j'ai envie de me Suicide King. Pourquoi? Si je me Suicide King, c'est du génie. Parce que je fais tomber deux boss items, mais surtout je fais tomber du pognon. En fait, j'aurais dû prendre la batterie de voiture. Comme ça, je faisais double utilisation du Suicide King avec la blank card. Ensuite, Guppy Scholar me ressuscitait ou me tuait.
Mais j'avais du coup 4 objets et 40 pièces par terre. Mais le pognon il est con. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai laissé mon pognon. J'ai oublié de prendre le pognon, ah mais je m'emmerde. Je suis fatigué les gens. Moi je voulais juste briller. Ah j'ai oublié 20 gold. Bon c'est pas grave, bon bah on ne remplira la green machine que de 34 gold. Avec cette fucking Maggie Run. J'ai envie de Suicide King. Eh mais attendez, l'argent que je mets, l'argent que je... Mais oui attendez, c'est du génie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va tester un truc qui m'intrigue à fond. On va tester un truc qui m'intrigue à donf. Je pense que vous savez de quoi je parle. Déjà ça c'est cool, c'est très très cool même. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si je mets plein de pièces dans la green machine et que derrière je suis Side King et que ça passe? Si le sablier marche, ça veut dire que dès qu'on met dans la machine, c'est comptabilisé. Si ça passe, j'ai pas perdu 2 heures pour rien comme un sac. Exactement. Putain, je perds tellement de pognon, je fais n'importe quoi. Je fais même pas gaffe à ce que je fais. Bon, faudrait mourir là parce que ça n'intéresse personne ce combat là. Oh putain. Ok. Wheel of Fortune. Alors je peux faire 2 Temperance si je veux tryhard le pognon. 3 Temperance en fait. En faisant blank card et la carte. Ou bien je fais juste Temperance et je garde mes blank cards pour essayer de répéter le Suicide King. C'est là. C'est là où il va falloir être lucide. Suicide King x3. Utilise The Sun avec la blank card pour un secret. Mais quel secret? J'ai pas validé Maggie. Mais valider Maggie, ça se fait. Ouais mais double Suicide King c'est pas si rentable par rapport à 3. Parce que si je colle bien les 3 machines de don du sang, en une utilisation j'en fais marcher 3. Y'a un succès. Y'a un succès si on blanque le sun. D'accord. Mais ici, genre c'est fait pour ici ou n'importe où? Oui, blank card des Houston, j'ai compris. Ah merde, c'est ça. Ah mais n'importe quel dommage que je prends ici me fait perdre du pognon. Mais ce jeu est vraiment une merde en barquette.
Ce jeu, c'est vraiment la merde market. The Sun, donc. Hallucinant. Blinding Baby, ok. Bon. Donc. On s'est fait complètement arnaquer. C'est très impressionnant. Bon. Bombe toi aussi pour gagner de la thune. Mais pourquoi? Ah oui, mais par contre, oui. J'ai 93 bombes de merde qui peuvent potentiellement me donner du pognon. Attendez, d'abord je mets tout. Ah oui, si je me bombe, c'est ça que vous me dites. Parce que j'ai le coffre nul. J'avais pas le fanny pack, non. Non mais me bomber, c'est pas clair que je vais me donner du pognon, non. Ah moi, tout ce que je vois, c'est que les glitter bombs peuvent donner du pognon. Non, oui ou non? Putain, mais on avait blank card et à Two of Diamonds, on avait tout pour casser le jeu. Et on se retrouve à faire le clodo. Incroyable. Non mais en fait ça m'emmerde. Attends, si vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Je me petit suicide. Avec la blank card. Suicide King. Putain. Ça a marché. Mais non. Quel enfer. Incroyable. Putain. Ah mais j'aurais tellement. Ah mais j'aurais tellement dû me coucher il y a 1000 ans. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Mais il y avait rien à faire, hein. Non mais il y avait rien à faire, je suis rentré. J'étais dans le coffre. Bon. Très bien. Grosse run, hein. Grosse run. Ah putain. Bon. Ah c'était incroyable. C'était incroyable. Quel enfer. Alors oui. Très bien. Là dessus. Ah c'est YouTube hein. Lâche moult pouces bleus.